Bonjour et bienvenue sur Kenny Games pour la suite de Goodbye Rebecca. Vous êtes avec Devil et nous allons enquêter parce qu'il y a des bruits bizarres dans la maison et une musique tout aussi bizarre. Ça fait peur, hein, les enfants. Et si on allait voir la cave? D'accord, les enfants. La cave est fermée. Comme c'est étrange. Évidemment, il n'y a plus d'électricité. Par contre, évidemment, le téléphone il marche. Hein. Je ne vais pas aller aux toilettes parce que c'est ce que me veut le jus. Par contre, je vais vous montrer un truc qui m'a... Tiens, il le fait pas. Ah, voilà. Je sais pas ce que c'est, c'était des marques de sang, j'en ai aucune idée, mais en tout cas... Voilà, c'est ce que voulait nous montrer le jeu, et puis là... Oh oh bon, je simule un peu, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait tout ça. Ça pourrait être utile pour débloquer le grillage dans la cave. Comme ça, je pourrais voir ce qu'il y a dans ce trou. Je me contente de viser dans le trou. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui est-ce? Ma que c'est Rodrigo! Rodrigo, tu es finalement arrivé? J'ai pensé qu'il s'était arrivé quelque chose de grave. Salut Rebecca. Hein? Hey, salut Rebecca! Un moment. Comment est-ce que tu es entré dans la maison? La porte de devant est scellée. Oui, une chose que tu as oublié de mentionner d'ailleurs, quand nous parlions au téléphone. Désolé, tu sais, j'ai été vraiment très distraite. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. J'ai grimpé au balcon et j'ai usé un bâton pour ouvrir la porte. Bien, bien. Tu ne sais pas comment j'ai pu me sentir seule et confuse. Je me suis retrouvé dans cet endroit et mes parents avaient disparu. Calme-toi, nous trouverons tes parents. Et s'ils avaient été kidnappés, ou pire encore? Rebecca, ne dis pas ça. Ne prends pas de conclusions hâtives. Écoute... J'ai trouvé ces stickers qui sortent des paquets de céréales. Je sais que tu les collectionnes. Est-ce que tu les veux? Merci, Rebecca. Oui, je les adore, mais... Est-ce que tu pourrais les garder? Mes poches sont pleines. Bien sûr. Je serais ravi de les garder. Nous devons aller à la cave. Je veux te montrer quelque chose. Ok, on y va. Tintintintin. Rodrigo est en vous. La porte est ouverte, bizarrement. Regarde ça, Rodrigo. Une statue d'ange moche? Mais non, espèce d'idiot, c'est un sous-sol. Je ne savais pas qu'il y avait ce complexe et ce passage dans ma cave. Mais comment est-ce que tu as trouvé cet endroit? Et qu'est-ce que tu as trouvé dans cet endroit? Tout sauf des réponses. C'est incroyable, Rodrigo. J'ai trouvé une photo de moi, de mes parents et même mon collier. Mais rien ne me dit avec certitude pourquoi ils sont là. Très bien, nous allons explorer ce sous-sol. Peut-être que nous trouverons tes parents. Je pensais la même chose. En fait, c'est un endroit particulier... Il y a un endroit particulier où je n'ai pas eu accès pour l'instant. Viens, Rodrigo. Allons-y, Milou. Palkia, Palkia n'est plus là.
Balki? Balki? Mais où que t'es, Balki? Balki? Balki, montre-toi! Depuis tout à l'heure, je cherche Balki et à chaque fois que je l'entends dans cet endroit, j'entends ses hurlements. Mais je ne le trouve pas. Balki! Balki! Bon, ma Balki n'est plus là. Il est juste en train d'hurler quelque part. Peut-être dans le trou. Voilà la porte. La porte est désormais déchelée. Nous allons utiliser le slot ici et on va descendre tout en bas dans la cave. Eh bien, plus de tunnels et plus de passages inconnus. Je pense que nous ne trouverons jamais mes parents. Rebecca, calme-toi, nous allons explorer. Mais tout d'abord, dis-moi. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais rencontré tes parents? Ce qui arrive, c'est que quand tu viens ici, ils ne sont pas présents. Mais je n'ai encore jamais vu une seule photo d'eux. Tes parents ont discuté? Ma mère était en colère auprès de mon père parce qu'il a pris trop de semaines sans trouver de travail. Et avec une économie, et notre situation économique est très mauvaise. Est-ce que ta mère t'a dit quelque chose hier à propos d'un voyage? Ou est-ce qu'elle a insinué qu'elle cherchait à divorcer? Oui, je les ai entendus se battre. Elle a dit qu'elle ne l'aimait plus. Mais de toute façon, elle ne divorcerait pas par peur que je réagirais. C'était une bataille vraiment très très ardue. Mais tous les deux ont dormi dans la même chambre. Ma mère n'a jamais rien dit à propos d'un voyage, ou de m'abandonner, ou même d'abandonner mon père. Et ton père, qu'est-ce qu'il en est-il? Depuis qu'il a perdu son travail, mon père parle difficilement à moi ou à ma mère. Rebecca, et pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas la police? Oh mon Dieu. Tu sais que c'est un endroit inhospitalier et que personne ne vient. Même pas la police. Mais nous ne pourrons pas. Mais si nous... Blablabla, et si on essayait quand même. Ah, c'est... C'est trop tard. J'ai déjà essayé et ils ne sont pas venus. Je devrais dépenser... Ils doivent avoir quelque chose de très sérieux. Et ma mère m'a dit, nous vivons dans un endroit oublié par le gouvernement et la société. Oui, tu as raison. En fait, aujourd'hui, ça a pris du temps pour venir ici. Et comme il n'y a aucun bus qui passe par ici, j'ai dû courir. Oh, ah bon, Rodrigo? Excuse-moi de t'avoir mis dans tel ennui. Ah, ce n'est rien, Rebecca. Pour ces occasions, nous sommes amis, n'est-ce pas? Eh bien, arrêtons de parler et commençons à chercher. Très bien. Allez, on arrête de se foutre arrête de te foutre un dent dans le cul, Rodrigo. Il faut qu'on cherche. Oh, un stickers. Tiens, Rodrigo. Mais je vais pas le prendre. Si, tu le prends. Il faut une clé. Par contre, c'est vraiment très crispant, il n'y a pas de musique. Je suis un peu curieux de ce qu'il y a dans ces boîtes. Elles ont l'air toutes abandonnées, je crois qu'il n'y a rien, il n'y aurait rien d'utile. Un conteneur des plantes ici, ça n'a pas de sens. Comme si quelqu'un allait en avoir quelque chose à foutre. Alors, cette notification, c'est...
Les choses ne sont pas toujours ou dans les endroits où elles seraient normalement. Le scout gentil regarde toujours dans les endroits les plus inhabituels. Oh! Oh non, est-ce que ce sont des tombes? Attends. Attends. Regardons à chaque tombe. Oh, ça fait du bruit. J'ai eu une clé. Ça dit de l'espoir pour changer. Cette inscription dit Limit where it to him to the madness. Vous traduirez pour moi. On éteint la lumière. Non. La vérité éclate au grand jour. Tôt ou tard. Rodrigo, est-ce que ce serait la tombe de mes parents? Rebecca, lis pas ça! Ils doivent être quelque part. Parfois, je souhaite. Je souhaite avoir un peu de cette foi que tu as, mais je ne peux pas. Je suis juste. Je ne suis pas quelqu'un de si optimiste. Mes parents disparaissent du jour au lendemain, et je n'arrive pas à trouver de raison logique pourquoi. Je comprends. Je te comprends. Ça doit être vraiment confus. Et dur pour toi. Nous ne pouvons rien faire que de continuer à chercher. Mais avant que nous y allons, nous devrions creuser et voir ce qu'il y a dans cette tombe. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai peur, j'en ai pas le courage. Regarde, il y a une pelle. Nous devrions l'utiliser pour creuser. Et c'est ainsi que Rodrigo et Rebecca profanèrent des tombes. Je sais que c'est pas facile, Rebecca, mais on va creuser! Très bien, on y va. On pioche pic-pac-pic-pac-pic-pac dans la cave des jours entiers. On va trouver ce qu'il y a en dessous des pierres tombales. Qu'est-ce que c'est que ce petit ossement? Oui, c'est l'ossement. Oui, c'est un ossement humain. Les tombes sont vides, mais ce n'est pas possible. Il est à venir, les gars. Nous ne pouvons pas faire de conclusion si vite. De toute façon, ça semble vraiment très étrange qu'il n'y ait rien dans ces tombes. Ça me donne des frissons, Rodrigo. Je ne sais pas quoi penser. On dirait un cauchemar. Nous devrions partir d'ici et demander de l'aide autour de la maison, ok? Ok, c'est une bonne idée. C'est un risque, mais nous n'avons pas le choix. On y va! Tatin tatin. Je vais quand même continuer à explorer le sous-sol, hein. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que je suis arrivé à peu près par ici, sur mon... Comment? Dans mon jeu à bois. Donc, je n'ai pas pu encore bien chercher tout ce qu'il fallait. Là, il y a une potion, ça je le savais. Là, c'est pour ça que on va l'utiliser. Alors, je recherchais. J'ai trouvé une dismissal lettre. Une lettre de démission. Le 27 avril 2015, blablabla. Une lettre de démission? Ça doit être celle de... Ça doit être la lettre qu'ils ont donnée à mon père il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et pourquoi est-ce qu'il y a tous ces trucs bizarres? Je ne comprends pas.
Je vais la garder de toute façon. Je me rappelle la réaction de mes parents devant cette lettre. Ma mère ne voulait pas que mon père quitte son emploi. Et ça a fait beaucoup de chahut dans ma maison. J'étais concerné de façon primaire. Je vais continuer d'enquêter. Lettre de mission ajoutée. J'ai ouvert la porte avec la clé. Ouh, des ossements. Et c'est un garçon. Comment tu le sais? Oh, regardez. Ouh, ça. Ça, c'est intéressant. Je ne l'avais pas encore vu. Et là, vous savez quoi? C'est ici qu'on va sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, ça n'a... Le temps est assez proche. Je suis à 10 minutes, enfin, à peu près, de l'endroit où je... Enfin, du temps que j'ai mis, mais bon, n'oubliez pas que je suis à peu près ici, hein. Je suis remonté pour faire un truc et je n'ai pas procédé par la suite parce que je voulais avancer un peu plus avec vous. Voilà, maintenant je suis à l'endroit exact où je me trouve dans l'autre... Enfin, dans ma partie à moi. Je vais donc découvrir comment avancer... De ce côté, et pendant ce temps, je vais vous laisser là, voilà, donc vous avez regardé cette vidéo, goodbye Rebecca, c'était avec Devil. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter cette vidéo, de la partager avec vos amis, et de vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que vous aurez la chance de voir la suite de goodbye Rebecca. Je vous dis à plus sur DNA Games.